Merci de votre présence aujourd'hui. Je suis Jérôme Rondon, professeur ici à l'Université Claude Bernard et je suis le président de la division enseignement et formation de la Société Chimique de France. La société donc qui a pris comme initiative d'organiser cette journée au départ chimie et jeux, puis sciences et jeux, et donc dans une réflexion beaucoup plus globale finalement sur l'utilisation du jeu dans les apprentissages. Donc je vais laisser la parole à Fabien de Marquis qui est directeur de la faculté des sciences et technologies de l'Université Claude Bernard, qui donc, nous accueille aujourd'hui et qui nous a accordé un soutien fort pour pouvoir vous permettre de participer à cet événement. Fabien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis, donc, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la Faculté des sciences aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue donc, à cette journée de travail, de réflexion autour de la place du jeu dans la pédagogie universitaire. Alors si je précise universitaire, c'est bien parce que s'il y a un lieu où l'idée de l'apprentissage est particulièrement éloignée de celle du jeu dans l'imaginaire populaire, c'est bien dans le monde universitaire et académique où l'image populaire qui est toujours bien présente est celle d'un professeur devant un amphithéâtre et donc avec bien peu de perspectives de jeu pour les étudiants. Et pourtant, le jeu, qui dit jeu, dit participation. Qui dit jeu, dit émulation. Qui dit jeu, dit problème à résoudre. Et finalement, résolution de problème et réussite. Et donc, plaisir. Et on sait, d'après les sciences cognitives, en psychologie de l'enseignement, que le principal ingrédient de tout apprentissage, c'est le plaisir. Alors, la pédagogie universitaire, on peut le dire, est en crise. Enfin, le dire, ça, c'est presque un lieu commun pour montrer l'étendue du... Ça montre l'étendue du problème, puisque ça fait des années qu'on dit ça. Alors, il n'y a pas besoin d'enquête, de statistiques, ou même d'études détaillées de la réussite et de l'échec des étudiants, parce que l'échec des étudiants, c'est très compliqué. C'est lié aussi, peut-être parfois, à une mauvaise organisation, mauvaise orientation dans les études en France. Par contre, là où on voit la crise pédagogique, c'est quand on est en lien avec les enseignants, et ça c'est beaucoup plus récent. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un malaise des enseignants du supérieur, qui sont principalement des enseignants-chercheurs, mais pas seulement. Un malaise parce que de plus en plus, le fossé se creuse entre ce que les enseignants voudraient transmettre, ont dans l'intention de transmettre, et ce que les étudiants eh bien, sont en capacité et prêts à recevoir. Aujourd'hui, en tant que directeur, on a fait un petit colloque à ce sujet, au sujet de la pédagogie dans nos facultés, il y a une semaine ou deux, à Nice. Tout le monde est unanime pour dire qu'on n'a jamais vu un tel malaise dans le monde enseignant, et un tel malaise qui n'est pas seulement lié à des projets, à un statut, non, un malaise lié vraiment au rapport aux étudiants, et à cette difficulté à se situer pédagogiquement dans ce 21e siècle. Bon, comme dans toute crise, il est intéressant de revenir aux fondamentaux, avant toute chose, et la façon fondamentale de transmettre l'apprentissage depuis la nuit des temps, le jeu est le facteur principal, fondamental de transmission. Donc c'est pourquoi je remercie Jérôme Rondon, et puis tous les organisateurs de cette journée, tous les intervenants à venir, d'introduire ce sujet, de le porter au sein de la faculté. J'espère qu'on saura ensuite rebondir, le traduire dans des intentions politiques, dans des moyens, et dans une appropriation collective des techniques dont vous avez discuté aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie et vous souhaite une journée pleine de jeux et j'espère de plaisir. Thank you.